Good morgen, allez, Iden, le Sutra, aujourd'hui, le Nishmat Avraham Mordechai ben Yitzhak Vefani, David ben Fortuna Mazal Fritna, Dvorah bat Esther, ainsi que l'Irfuat Avraham Noach ben Yehudit. Betor Sh'ar, Chol Yisrael, si vous êtes où, c'est Didier, une prochaine tune de Misha, contactez la 5e minute éternelle. Nous étudions le Sret K'tuvot, Perek Vav, Mishna Vav. Yetoma She'esi Ata, Ima O Acheha Midata, Vekadvula Be'mea O Be'chamishim Zuz, Rabbi Yehuda Omer, im hisi et abat arishona, il n'atteint la chenia que derrière, il n'atteint la rishona. Les chachamim omrim, pe'amim shadamani ve'eshir, ou ashir ve'eli. Et la chamin n'atteint les chassim ve'notnim la. On va s'intéresser dans notre Mishnah à savoir quelle dot donner à une fille orpheline, mais qui a eu des grandes sœurs qui se sont déjà mariées. D'accord? C'est-à-dire, on va donner un petit peu deux éléments, en fait, qu'on va jongler un petit peu sur ça. Tout d'abord, il y a maintenant un père, il a le devoir de marier sa fille, et de donner marier sa fille, ça implique aussi de lui donner, de lui payer son mariage, de lui donner même une petite argent pour commencer, commencer sa vie, un trousseau, les draps, le minimum pour ça incombe au père, c'est sa mitzvah. D'accord? Maintenant, imaginez maintenant le père, l'Ahmo, il est parti, il n'a pas eu le mérite, il n'a pas eu la chance de pouvoir marier ses enfants, le pauvre. Alors quoi? Maintenant, il reste des biens. Alors qu'on soit clair. On a déjà expliqué, lorsqu'il y a des frères, les filles n'héritent pas. Les filles ont juste un droit de manger des biens que le père a laissés, jusqu'à qu'elles grandissent et qu'elles se marient. Par rapport à la dot, en théorie, on n'a jamais appris qu'il y avait un devoir de payer une part des biens pour la fille. Et bien, Khamim, on dit que oui. Il faut quand même lui donner une part. En fait, on a à peu près deux à trois manières d'évaluer comment faire. Il va y avoir une certaine mesure fixe qui va consister à dire « Issour Nechassav ». Le dixième de ses biens, à l'époque, c'était que des biens immobiliers. À notre époque, c'est même éventuellement les biens immobiliers. C'est une discussion, c'est rapporté aussi dans le Bartanor. D'accord? Le dixième des biens. Alors, il a laissé, par exemple, une maison à 3 millions de shekels. On devra se soucier à ce que la fille reçoive 300 000. D'accord? Ça, c'est une première manière d'évaluer. Une deuxième manière d'évaluer, ce serait plus, comment dire, d'abord, premièrement, s'il y a une grande sœur qui s'est mariée, on a vu que quand sa fille, la première fille, elle s'est mariée, il s'est débrouillé, le père a donné 400 000. Donc ils devront donner 400 000. 200 000, on donnera 200 000. Ça, c'est une deuxième manière d'évaluer, selon ce qu'elle était la fille, la grande. Maintenant, malgré tout, d'abord, il faut tenir compte de l'inflation, peut-être. À l'époque, ce n'était pas un grand problème. C'était assez fixe. Il n'y a que nos marchés qui sont tellement oscillants. Mais concrètement, il y avait maintenant. Il y a un autre problème. Peut-être que quand il a marié sa première fille, il n'était pas riche. Depuis, il a gagné plein d'argent. Ou le contraire. Peut-être qu'au début, il était riche, puis après, il a eu moins d'argent. Peut-être qu'il voulait. S'il avait été vivant, il aurait donné moins. Donc, on ne peut pas se permettre d'estimer, d'évaluer combien le père aurait été prêt à payer. Donc, c'est une. Donc, en fait, c'est comme ça les trois manières. Soit on donne un dixième, soit on compare avec la grande sœur, soit on va plutôt faire une évaluation en se disant selon est-ce que c'était quelqu'un de généreux, quelqu'un de radin, quelqu'un qui se souciait tellement pour ses enfants. Et c'est à peu près les trois notions qu'on va avoir dans la Mishnah, et on commence à faire ça. Tout d'abord, on a une yetoma chez Siyata Ima Oachea, on a une orpheline, que c'est sa mère et ses frères qui l'ont mariée, Midata, en se concertant avec elle, elle a voulu se marier, elle a accepté. Maintenant, quand ils l'ont mariée, regardez les tzadikim. Mais qu'êtes-vous là que mea ou que 50 zouz? Ils ont écrit 50 zouz, c'est le minimum, ou même 100 zouz, une belle somme, non, apparemment. Elle pourra, malgré tout, en grandissant, se dire, vous m'avez un petit peu arnaqué là, vous m'avez bradé à 20 000 alors que j'aurais pu tirer moi 200 000, 300 000, donner la suite des dividendes, même si ça fait plusieurs années maintenant qu'elle est mariée. Ils l'ont mariée quand elle était petite, ils l'ont donné une belle dot, apparemment, quelques. 100 000 shekels, très respectable. Et en fait, en grandissant, ils réalisent qu'ils l'ont arnaqué, parce que le père, il avait laissé plein d'argent, et le dixième, ça aurait fait au moins 300, 400 000. Donc il faudra lui donner sa part. Ok? Ça, c'est la première partie. Donc, ma chère, où il est inatteignable, ce qu'il est apte de lui donner à elle. Pas le dixième, mais apte de ce qu'il a à lui donner, parce que si le père, il était très riche, il avait plusieurs millions, eh bien, c'est sûr qu'il aurait dû et voulu donner à sa fille une somme assez importante, bien plus importante que les quelques billets qu'ils lui ont lâchés, donc ils devront payer la suite, même après plusieurs années. On ne dit pas qu'il y a eu une mechila. Maintenant, Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda nous dit non.
Il nous dit, Rabbi Yehuda, il nous dit, non, je ne suis pas tellement d'accord avec cette histoire de payer le dixième ou de payer. Mais j'ai un meilleur repère. Si de toute façon, il a déjà marié une première fille, qu'on a vu au mariage de la première fille, il s'engageait à donner une très belle somme d'argent, mais il faudra donner la même somme d'argent à la deuxième, à la sœur qui viendra ensuite, à l'orpheline. D'accord? Il n'a la chine qui est la chine, on donnera la deuxième, de la même manière qu'on a donné à la première la même quantité. La chachami, mon chachami, dit non, c'est pas une manière d'évaluer parce que. D'abord, c'est possible qu'à l'époque, il y a des fois où l'homme, il était pauvre, après il est devenu riche. Quand il a marié la première, il était pauvre, il s'est engagé à se saigner pour donner 100 000. Qu'est-ce que tu dis maintenant qu'aujourd'hui qu'il a fait fortune? Combien il va lui donner? Aussi, de quoi se saigner pour lui donner encore plusieurs millions? Ou 200 000, 30 000? On ne peut pas calculer comme ça. Pamim Shadam Ani Ve'eshir, ou encore au contraire, Ashir Ve'eni, quand il a donné à la première fille, il était bien riche. Et puis maintenant il est devenu pauvre, il n'est peut-être plus question de lui donner autant. Et là, Shamin Atanechasim et Notnimla, mais il faudra juste évaluer les Nechasim, les biens immobiliers selon la Mishnah, et prélever, calculer c'est quoi le dixième plus ou moins de ça, et lui donner cette part. Comme je vous ai dit aussi, le Bartanoï apporte qu'à notre époque, il y en a qui pensent qu'on inclura même aussi les biens mobiliers. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.